l'ancienne première dame du Gabon n'est plus en résidence surveillée. La franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondimba Valanta, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée, a indiqué jeudi 12 octobre son avocat. Selon des médias gabonais, Sylvia Bongo Ondimba a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, tard mercredi soir après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. L'ancienne première dame, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Elle était maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis le premier jour du coup d'État, du 30 août 2023. Les militaires qui ont renversé son mari ont, en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection, la soupçonné publiquement d'avoir manipulé son époux, souffrant des séquelles d'un grave AVC en 2018 et d'avoir été aux côtés notamment de leur fils Nourdine Bongo Valanta. La dirigeante de facto du pays depuis 5 ans dit avoir détourné massivement des fonds publics. Nourdine Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpée notamment pour corruption et détournement de fonds publics. Une affaire que nous suivons de près. Nous vous tiendrons informés des évolutions. Nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Au revoir.